avez fait le bon choix. C'est un culte spécial dont l'objectif a consisté à expliquer les grands programmes qui ont sanctionné l'année 2022 à la Mission pour Christ et mobiliser les fidèles pour le dernier prévu pour le 23 décembre. Papa Kouviessou a fait savoir à tous que ces initiatives sont toutes inspirées de Dieu avec des objectifs clairs. Pour tous ces programmes, c'est pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, enseigner, prier pour ce peuple, pour que tout le monde puisse avoir la liberté, la paix et la joie. Apporter le bébé les 21 jours jusqu'à ce que nous finissions avec le programme du 23 décembre 2022. Vraiment, il y a eu tellement de témoignages des femmes, des hommes, des morts dont le diable avait programmé qui ont été libérés. Trois grands points dominent chaque activité de la Mission pour Christ. Des études bibliques, des prières de combat contre les malfaiteurs et des témoignages pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche, à ce culte spécial, l'évangéliste Eugène Kouadio di Papa Kouviessou a encore fait de son homélie une étude biblique sur la négligence. Il a révélé par des références bibliques que la négligence conduit à la destruction de soi au plan physique comme spirituel, car Dieu condamne. Un enseignement suivi de proclamations prophétiques par lesquelles Dieu s'est puissamment manifesté au cours du culte avant de revenir sur les derniers réglages de la dernière activité de 2022 qui sera une veillée le 23 décembre prochain. C'est notre dernier programme de l'année. Et ce dernier programme, nous ne pouvons pas faire ce programme sans prendre un moment de jeûne. Nous allons jeûner et dans la soirée, nous allons veiller, prier pour les enfants de Dieu et proclamer la gloire, la bénédiction pour l'année 2023. Ce programme qui va venir, c'est un programme qu'il faut, qu'il ne faut pas échapper. Que tu sois loin, que tu sois prêt, il faut assister à ce programme. Si tu as une situation aussi difficile que pour moi, Dieu fera le reste à travers son serviteur. Le culte de ce dimanche 18 décembre a aussi été dominé par la louange conduite par les chantres Didier et Naomi Niamien. Entouré de son peuple, le couple fondateur de la Mission pour Christ a dansé à la gloire de Dieu, plantant ainsi le décor du programme du 23 décembre.
histoire.